Bonjour à tous, bienvenue parmi nous. Merci à nouveau pour votre participation à cette seconde conférence qui sera donnée donc par Madame Claudia Verdine après la première qu'elle a donnée le 11 mars sur les faits et les conséquences de la violence sur les enfants. Et donc aujourd'hui, bonjour Claudia. Olá, boa noite. Bonsoir. Elle fera donc sa conférence en portugais et puis je vous ferai la traduction simultanée. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est l'éducation sans violence, un défi possible et nécessaire. Voilà. Claudia Verdine, ben, nous la connaissons déjà depuis de longues années et elle a toujours énormément travaillé dans ce domaine de l'éducation. Pour des enfants, hein, notamment dans le contexte du milieu spirit. Et donc, elle a des décennies d'expérience sur le sujet. Voilà. Elle habite en ce moment à Riyad, hein, en Arabie Saoudite. Et donc, nous sommes très heureux de pouvoir compter sur elle ce soir. Voilà. Alors, sans plus tarder, donc, je vais vous montrer l'écran de Claudia. Alors, attendez, il faut que je. Claudia, você pode dividir a sua tela novamente? Ah, sim, está aqui, momentinho. Aí. Voilà, je suis désolé. Donc, voilà, les slides de Claudia sont à l'écran. Et donc, Claudia, je vais lui passer la parole. Pronto, Claudia. O slide está na tela, a palavra é sua. Obrigado. Merci. Obrigado a todos por estarmos juntos novamente. Merci à tous pour la possibilité d'être à nouveau ensemble ce soir. É uma alegria para mim retornar e dar continuidade ao tema que falamos em março. C'est une grande joie pour moi de pouvoir revenir et puis de donner une continuité au thème que nous avons commencé à développer au mois de mars. E para começarmos, para iniciarmos as nossas reflexões da noite de hoje, Et pour initier nos réflexions ce soir, eu gostaria de fazer uma pequena retrospectiva para aqueles que não estiveram conosco na primeira conferência. elle va faire une petite rétrospective rapide pour ceux qui n'ont pas pu être avec nous au mois de mars. Nessa primeira conferência, onde falamos sobre a violência na infância, Et donc, dans cette première conférence où j'ai parlé de la des effets de la violence sur les enfants, abordamos os diversos tipos de violência que podemos encontrar. j'ai abordé les différents types de violence que l'on peut trouver. E aqui podemos ver, falamos sobre a violência sexual, a violência física, a psicológica, a negligência e o abandono. Donc, on a examiné en détail donc, la violence sexuelle, la violence physique, la violence psychologique, la négligence et l'abandon. Demos continuidade mais adiante, abordando o tema das consequências dessas diversas tipos de violência. Et nous avons donc par la suite expliqué quelles sont les conséquences possibles de ces différents types de violences. Que são as mais variadas, desde a perda do apetite, a falta de concentração, a própria agressividade infantil. Par exemple, la perte d'appétit, le manque de concentration et même des attitudes violentes chez les enfants. Falamos também em relação a Organizações Unidas, um tratado que existe, uma Convenção Internacional dos Direitos da Infância. Nous avons aussi donc parlé de l'ONU, d'un traité qui existe, d'une convention pour bannir la violence envers les enfants. Que eu sugiro que cada um de vocês possa pesquisar na internet sobre isso e saber mais informações a respeito dessa convenção. Donc, je vous suggère à tous de
rechercher sur Internet pour avoir davantage d'informations sur cette convention. Falamos também nessa primeira conferência a respeito dos objetivos fundamentais do retorno à vida corporal. Nous avons parlé aussi dans la première conférence de l'objectif fondamental du retour à la vie corporelle. Por que o espírito necessita reencarnar, retornar num corpo infantil? Pourquoi est-ce qu'un esprit a besoin de revenir, de se réincarner dans le corps d'un enfant? E descobrimos através dessa primeira conferência que o espírito retorna num corpo infantil para ser reeducado. Et donc nous avons établi dans cette première conférence que l'esprit se réincarne dans le corps d'un enfant pour être rééduqué. É na infância que ele pode ser moldado, é na infância que ele aprende a importância das virtudes. C'est dans l'enfance qu'il est encore modelable, c'est dans l'enfant qu'il apprend plus facilement les vertus. Trazendo o esquecimento do passado possibilita que ele adquira novos e mais adequados conhecimentos. Et donc, c'est dans cette phase aussi qu'il est plus facile pour lui d'acquérir de nouvelles vertus et de nouvelles connaissances intellectuelles. Falamos também na primeira parte desse trabalho a respeito da missão dos pais e das mães, a missão dos responsáveis perante aquele espírito. Nous avons parlé aussi dans cette première conférence de la mission du père et de la mère, donc la mission des parents envers l'enfant. E aqueles que não estavam presentes poderão e deverão ler sobre isso no livro dos Espíritos, pergunta 582. Et donc, c'est le livre des esprits qui en parle de façon très claire, notamment à la question 582. Falamos também nessa primeira parte a respeito da pergunta 685, onde Kardec nos traz a importância da educação. Nous avons parlé aussi dans la première conférence de la question 685 au Livre des Esprits, donc où Kardec souligne l'importance de l'éducation. E também nos diz que a educação é formar hábitos, é hábitos adquiridos. Et donc l'art de l'éducation consiste à former des caractères celle qui donne des habitudes. Falamos também a respeito de como formamos os hábitos. Os hábitos são formados pela repetição da ação. Et donc, comment est-ce qu'on peut former des habitudes? Ben, les habitudes, elles s'acquièrent par la répétition des actions. Então, quer dizer que a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. L'éducation, c'est donc un ensemble d'habitudes acquises. Nessa segunda parte, no que vamos conversar hoje, será mais especificadamente sobre a educação sem violência. Et dans cette deuxième partie que nous allons aborder aujourd'hui, elle portera plus spécifiquement sur comment éduquer sans utiliser la violence. Vamos juntos refletir sobre a educação para a paz. Como podemos conseguir educar sem agressividade? Et donc nous allons réfléchir ensemble sur comment éduquer pour la paix ou non comment éduquer sans agressivité. A educação para a paz, ela é um processo que permite a crianças, jovens e adultos para que possam prevenir os conflitos e a violência. L'éducation pour la paix, donc ça concerne à la fois les parents et l'enfant pour prévenir les conflits et la violence. A educação para a paz, ela faz com que nós possamos resolver os conflitos de maneira pacífica.
L'éducation pour la paix fait de sorte que nous puissions résoudre les conflits de manière pacifique. A própria educação pela paz, ela cria condições que propicia o processo de paz, que propicia vivermos a paz. Et donc l'éducation pour la paix, elle donne aussi les conditions, elle crée les conditions qui sont propices à établir la paix. Então é uma educação completamente contrária à educação utilizando mecanismos agressivos e violentos. Et donc c'est une éducation qui est tout à fait opposée à celle qui consiste à utiliser de l'agressivité ou de la violence. E retornamos aqui novamente o que nos diz Kardec na pergunta 685. Et nous revenons ici donc à ce que Kardec nous à ce qui est dit donc par Kardec en commentaire à la question 685 du livre des Esprits. E agora nós vamos refletir um pouquinho sobre o que seria, o que Kardec queria dizer, que a educação consiste na arte de formar os caractères, na arte de formar o caráter. Et donc on va réfléchir, approfondir un peu ce que Kardec voulait dire quand il disait que l'éducation consiste dans l'art de former les caractères. A educação, a arte de formar caracteres. Aqui eu gostaria de ressaltar dois pontos. Donc l'éducation dans l'art de former le caractère, je voudrais ici souligner deux points. Primeiro, por que é considerado uma arte? D'abord, pourquoi est-ce que c'est considéré comme un art? Educar, a educação sempre foi um processo extremamente complexo. L'éducation a toujours été un processus très complexe. Imagina atualmente onde o mundo passou por diversas transformações. Imaginez aujourd'hui, alors que notre monde a subi plusieurs transformations. A sociedade modificou completamente no passar desses anos. La société s'est complètement modifiée pendant ces dernières années. Para termos uma ideia, a educação no passado, ela utilizava como ferramentas as imagens que estão aqui. Donc, pour avoir une image, dans le passé, l'éducation utilisait comme outil ce qui est illustré dans les images que vous voyez à l'écran. À decorar os conceitos, não era permitido fazer perguntas. Il fallait apprendre les concepts par cœur et il n'était pas autorisé, les questions n'étaient pas autorisées. A punição, quando, na minha época, eu ainda peguei essa fase de escrever 100 vezes alguma coisa. La punition, moi-même, j'ai subi la punition de devoir écrire 100 fois la même chose. E aqui ainda utilizam chapéu escrito burro. Et donc là, en plus, il y a le chapeau où il y a écrit dessus Anne. O castigo físico das palmadas, a palmatória. Il y avait aussi donc, les punitions physiques hein, avec les fessées. Eram instrumentos, ferramentas utilizadas para que as crianças pudessem aprender. C'était les outils qui étaient utilisés pour de façon à ce que les enfants puissent apprendre. Na atualidade, na sociedade moderna em que estamos vivendo, isso não é mais aceitável. Aujourd'hui, dans la société moderne dans laquelle nous vivons, tout ceci n'est plus acceptable. Novas concepções e novas metodologias nos são exigidas diariamente. De nouvelles conceptions et de nouvelles méthodologies sont exigées quotidiennement. Tivemos que transformar a educação num processo de participação. Nous avons dû transformer l'éducation en un processus de participation.
num processo de valorizarmos, de estimularmos a autoestima das crianças. Un processus qui consiste aussi à valoriser, à stimuler l'estime de soi de l'enfant. Num processo em que o diálogo é a parte fundamental para se conseguir os objetivos. Un processus dans lequel le dialogue occupe une place fondamentale pour atteindre les objectifs. Num processo em que as crianças precisam compreender que temos direitos e deveres. Un processus dans lequel l'enfant apprend que nous avons des droits, mais aussi des devoirs. Que colhemos exatamente aquilo que plantamos. Que nous récoltons exactement ce que nous avons planté. São os limites que precisamos implementar na vida dos nossos filhos. Ce sont les limites que nous devons établir dans la vie de nos enfants. Mas esses limites, eles são inseridos na vida dos nossos filhos não como uma punição, mas sim como um colher natural de acordo com o que foi semeado. Et donc, ceci est mis en place chez les enfants, non pas sous forme de punition, mais tout simplement d'un processus naturel de recueillir ce que nous avons semé. E por isso que é uma arte, porque nós não podemos mais repetir o modelo de educação da antiguidade. Et c'est pour ça que c'est un art, parce que nous ne pouvons plus répéter les modèles d'éducation de l'Antiquité. É necessário buscarmos e nos adaptarmos aos novos conceitos e às novas metodologias. Nous devons rechercher et nous adapter aux nouveaux concepts et aux nouvelles méthodes. As crianças não aprendem através da violência. Les enfants n'apprennent pas par la violence. A violência, ela sempre gera mais agressividade. La violence finit toujours par entraîner davantage d'agressivité. E por que que Kardec falava que era a arte de formar o caráter? Et pourquoi est-ce que Kardec disait que c'était l'art de former le caractère? O que que significa a palavra caráter? O que que significa formar o caráter dos nossos filhos? Que signifie le mot caractère? Que signifie l'expression former le caractère de nos enfants? Porque a nossa responsabilidade como pais e como educadores é formar o caráter dos nossos filhos e dos nossos alunos. Parce que notre travail, notre mission en tant que parents ou en tant qu'éducateurs, c'est de former le caractère de nos enfants ou de nos élèves. Se você pode ler, Charles, por favor. Le caractère d'une personne se construit à travers les habitudes et les relations qui font partie de l'expérience de chacun. Il est intimement lié à la façon de penser, de sentir ou de réagir de chaque individu, c'est-à-dire qu'il se reflète dans les attitudes et les actions menées tout au long de la vie. Então, o caráter, ele está diretamente relacionado com a maneira das pessoas reagirem, agirem, atuarem ou reagirem diante das diversas situações da vida. Donc le caractère, il est étroitement lié à la façon dont les personnes agissent ou réagissent en fonction des différentes situations qui se présentent dans la vie. É aquele que vai trabalhar o pensar, o sentir e o atuar de cada um de nós. C'est celui qui va travailler la façon de penser, la façon d'agir et de réagir d'une personne. Então, o que Kardec estava querendo dizer é que a educação, ela vai formar o modo de pensar, de sentir e de agir do indivíduo. Donc, ce que Kardec voulait dire, c'est que l'éducation va former la manière de penser,
de sentir e d'agir d'um indivíduo. Isso faz com que nós possamos refletir da ineficácia ou não da ineficácia, da dificuldade do processo educativo na antiguidade. Et c'est ça qui nous amène à réfléchir de la difficulté, hein, de l'inefficacité de la manière antique d'éduquer. E isso nós vamos observar no comportamento dos adultos. Et donc, on peut d'ailleurs observer le comportement des adultes. Porque esses traumas que todos nós sofremos através da violência na nossa infância, ela reflete no nosso comportamento por toda a vida. Parce que ces traumatismes que nous subissons pendant l'enfance finissent par se refléter dans nos comportements pendant toute notre vie. E vamos aqui mais uma vez buscar em Kardec orientações a respeito do processo educativo. Et donc nous allons chercher une autre référence d'Allan Kardec qui concerne le processus d'éducation. Que nos faz refletir sobre a importância que tem este processo na vida do espírito imortal. Qui nous fait penser à l'importance de ce processus dans la vie d'un esprit qui est immortel. Não é somente estarmos dedicados à transmissão de conhecimentos. O processo é muito mais além. Le processus, il est bien plus que tout simplement se limiter à transmettre des connaissances à la personne. É necessário compreendermos exatamente a importância da educação para verificarmos a nossa grande responsabilidade. Et donc, il est important de comprendre ce processus d'éducation pour réfléchir à notre grande responsabilité. Aqui na questão 7, foi perguntado aos espíritos a respeito de que maneira podemos destruir o egoísmo. Et E à la question 917, donc, qui est, comment est-ce qu'on peut contribuer à faire disparaître l'égoïsme? no livro dos espíritos vamos encontrar a resposta através de Fénelon. Mas nós vamos comentar aqui o que Kardec comentou a respeito disso. La réponse dans le livre des esprits a été donnée par l'esprit de Fénelon. Et nous allons examiner ici le commentaire que Kardec a fait par rapport à cette réponse. Então, se você pode ler, por favor, Charles, Oui. uma parte dos comentários de Kardec. Donc Kardec commentait ce qui suit. La guérison pourra être longue car les causes sont nombreuses, mais elle n'est pas impossible. On y parviendra du reste qu'en prenant le mal dans sa racine. C'est-à-dire par l'éducation. Non cette éducation qui tend à faire des hommes instruits, mais celle qui tend à faire des hommes de bien. L'éducation, si elle est bien entendue, est la clé du progrès moral. Então, a preocupação não é somente fazer homens instruídos, mas principalmente fazermos, construirmos homens de bem. Donc, Kardec dit clairement que l'éducation ne consiste pas à faire des hommes instruits seulement, mais avant tout à faire des hommes de bien. Com as informações que o Espiritismo nos trouxe, a nossa ideia de educação se tornou completamente ampla. Avec ces informations que l'espiritisme nous a apportées, ça nous permet de donner beaucoup plus d'amplitude au concept d'éducation. Já não é mais somente estarmos preocupados em oferecer a instrução aos nossos filhos, mas muito mais. Ce n'est pas seulement d'apporter, d'offrir l'éducation à nos enfants, mais c'est beaucoup plus que cela. E eu gostaria aqui também de chamar a atenção quando Kardec diz: a educação convenientemente entendida constitui
a chave do progresso moral. O que será que Kardec queria dizer com convenientemente entendida? Et donc, la phrase que je souhaite développer un peu plus maintenant, c'est celle qui, où Kardec dit l'éducation, si elle est bien entendue, est la clé du progrès moral. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire bien entendu? Por que que o Kardec enfatiza que a educação moral é a educação que precisa ser bem entendida? Pourquoi est-ce que Kardec y précise que l'éducation morale, c'est celle qui doit être bien entendue? Existe para muitos uma dificuldade, uma pequena confusão em relação à instrução e à educação. Pour beaucoup de personnes, il y a beaucoup de confusion entre la notion d'éducation et la notion d'instruction. O que faz com que muitos de nós, ao tratarmos com os nossos filhos, estejamos equivocados. Et c'est ce qui fait que beaucoup d'entre nous, vis-à-vis de nos enfants, ben nous nous trompons. Apesar de pensarmos que estamos oferecendo o melhor aos nossos filhos, podemos estar falhando. Même en pensant que nous offrons le meilleur pour nos enfants, nous pouvons nous tromper. Vamos ver aqui a diferença em que existe entre os dois termos. O que seria a educação intelectual? Donc, on va voir ici la différence entre ces deux termes. Donc, on va commencer. Qu'est-ce que l'éducation intellectuelle? Que é a instrução. C'est l'instruction. A instrução, ela é a aprendizagem, é o receber conhecimentos. L'instruction, c'est l'apprentissage, c'est recevoir des connaissances. É a aprendizagem das ciências, dos idiomas, das matemáticas, L'apprentissage des sciences, des langues, des mathématiques. das competências técnicas, da nossa formação profissional. Des compétences techniques, notre formation professionnelle. A instrução, ela nos possibilita exercer alguma tarefa. L'instruction nous permet d'exécuter une tâche donnée. Então, todas as vezes em que nós estamos recebendo conhecimentos, nós estamos sendo instruídos. Chaque fois que nous recevons des connaissances, enfin, nous recevons l'instruction. Nous sommes instruits. Aqui mesmo, nesse nosso trabalho de hoje, nós estamos recebendo a instrução sobre o tema Educação sem Violência. Aujourd'hui, dans ce travail que nous faisons en ce moment même, nous recevons une instruction sur l'éducation sans violence. Quando lemos os livros, quando assistimos às palestras, quando estamos em seminários, em congressos, estamos sendo instruídos. Quand nous lisons des livres, quand nous regardons des conférences, quand nous participons à des séminaires, ben nous recevons, c'est une forme de recevoir de l'instruction. Aqueles conhecimentos que os nossos filhos adquirem na escola, adquirem na aula de idiomas, adquire na aula de ginástica, são conhecimentos que eles estão adquirindo. Ce que nos enfants acquièrent pendant les cours, pendant les activités sportives, les activités culturelles, ben, ce sont de l'instruction qu'ils reçoivent. Perdão, passei de rápido demais. E o que seria a educação moral? Et donc maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que l'éducation morale. Educação moral, ela trabalha em nós o nosso comportamento, as nossas virtudes. L'éducation morale travaille en nous nos comportements et nos vertus. Trabalha em nós os valores morais. Elle travaille en nous les valeurs morales. Trabalha em nós o desenvolvimento, a formação do nosso caráter. Elle travaille donc au développement et à la formation de notre caractère.
é aquela educação que vai nortear o nosso relacionamento conosco, o nosso relacionamento com os outros e o nosso relacionamento de maneira universal. C'est donc elle, c'est l'éducation morale qui va orienter notre comportement envers nous-mêmes, notre comportement avec les, envers les autres et puis aussi envers l'humanité en général. Será quando nós estivermos exercendo, executando tudo aquilo que a gente recebeu, aprendeu através da instrução, mas colocando a ética, a responsabilidade, o compromisso. Ça revient aussi à utiliser donc toutes les connaissances que nous avons reçues par l'instruction, mais de les mettre en œuvre en même temps avec l'éthique, avec la responsabilité correspondante. Por exemplo, quando nós recebemos todos os conhecimentos que a doutrina espírita nos oferece, seja pelos livros, pelos seminários, pelas palestras, e não vivenciamos esses ensinamentos, nós somos pessoas instruídas, mas não estamos ainda moralmente educados. Par exemple, quand nous nous intéressons au spiritisme, que nous étudions le spiritisme, que nous sommes instruits par rapport à la philosophie spirite, mais que dans notre comportement, nous ne mettons pas ces enseignements en pratique, ben, typiquement, nous sommes instruits, mais pas éduqués, pour la pratique de la morale qui en découle. Porque todos esses conhecimentos que o Espiritismo nos oferece nos conduz a uma mudança de conduta. Parce que tous ces enseignements que nous recevons du spiritisme nous amènent, nous induisent à un changement au niveau de notre comportement, de notre conduite. Nos convida a essa transformação interior. Elle nous invite à cette transformation intérieure. E quando nós não aceitamos este convite, quando nós não trabalhamos nessa reforma interior, nós estamos somente instruídos. Et donc, quand nous n'acceptons pas cette invitation, quand nous n'acceptons pas de travailler à notre amélioration personnelle, eh ben, nous sommes tout juste instruits, mais pas éduqués. E os espíritos e Allan Kardec todo o tempo a importância da educação moral. Et les esprits, tout comme Allan Kardec, soulignent en permanence l'importance de cette éducation morale. Vamos encontrar aqui em Aristóteles, né, um filósofo grego. Você poderia ler, Charles, por favor? Donc vous voyez une citation d'Aristote, hein, qui est un philosophe grec, qui disait: Éduquer l'esprit sans éduquer le cœur n'est pas une éducation. Porque a educação verdadeira é a educação integral, aquela que trabalha juntos a instrução e a educação moral. Parce que la véritable éducation, c'est celle qui allie donc l'instruction avec l'éducation morale. E é esta a grande preocupação que precisamos ter com nossos filhos. Estamos preocupados em fazer deles homens instruídos ou homens de bem. Et c'est là la grande responsabilité que nous avons vis-à-vis de nos enfants. Est-ce que nous voulons en faire des hommes instruits ou est-ce que nous voulons en faire des hommes de bien? É necessário oferecermos, sim, a instrução, mas, acima de tudo, estarmos preocupados com o desenvolvimento e a formação do caráter. Il faut, oui, bien sûr, offrir l'instruction, mais il faut aussi cet art de former le caractère. E Kardec, Allan Kardec, nas obras póstumas, no capítulo referente ao Credo Espírita, Et ele Allan nos Kardec, fala. donc dans les œuvres posthumes, le chapitre du Credo Spirit, dans le préambule.
Ele nos fala uma frase que caracteriza toda essa importância da educação. Il nous a écrit une phrase qui illustre parfaitement cette mission de l'éducation. Et Será donc, pela c'est par l'éducation, plus encore que par l'instruction, qu'on transformera l'humanité. clara, objetiva, mais claro do que isso é impossível. Aqui está o caminho que devemos seguir. C'est clair et objectif. Plus clair que ça, c'est pas possible. Ça, c'est vraiment le chemin que nous devons suivre. Será muito mais, é muito mais além do que somente receber conhecimentos. Donc, c'est beaucoup plus, ça va bien au-delà que le simple fait de recevoir des connaissances. A transformação da humanidade que começa dentro de cada um de nós necessita ser uma transformação moral. La transformation de l'humanité qui commence en chacun de nous doit être une transformation morale. Que é somente através da educação que vamos conseguir. Et c'est que par l'éducation que nous allons y arriver. Em todas as obras básicas e em vários outros livros, e nas mensagens que os Espíritos nos enviam. Donc, dans plusieurs livres, et aussi dans plusieurs communications que les esprits nous envoient. Que nós estamos, já viemos de longo tempo, atravessando uma transição planetária. Nous disent que ça fait déjà un certain temps que nous avons démarré une phase qu'on appelle la transition planétaire. E essa transição planetária, ela tem um objetivo. Et cette transition planétaire a un objectif. E esse objetivo diz respeito a cada um de nós. Et cet objectif, c'est le respect de chacun de nous. Construir um homem novo para um mundo novo. Et donc, ça nous incombe à tous, construire un homme nouveau pour construire un monde nouveau. Não são espíritos, criar espíritos novos, mas reformar esse homem velho que existe dentro de nós. Il ne s'agit pas de créer de nouveaux esprits, mais de réformer ce vieil homme qui est encore en nous. Esse homem novo, para ele ser criado, para ser ele ser ele ser construído, ele necessita desse processo educativo. Cet homme nouveau, pour être créé, pour être construit, il a besoin de ce processus éducatif. É retirar de dentro de cada um de nós tudo aquilo que precisamos transformar. C'est retirer de l'intérieur de chacun de nous tout ce que nous avons, tout ce que nous devons transformer. Não é somente a nossa preocupação não pode ser somente educar aos nossos filhos, mas também educar a nós mesmos. Notre préoccupation ne doit pas se limiter à éduquer nos enfants, elle doit aussi englober le fait de s'éduquer soi-même. Atravessamos momentos de grandes perturbações, de grandes desafios, de grandes dificuldades. Nous traversons en ce moment des grandes perturbations, de grandes difficultés, des moments très difficiles. Momentos que requer de nós uma mudança interna de postura. Des moments qui nous demandent un changement interne ou intime de notre comportement, de notre posture. Precisamos ser nós, precisa partir de nós essa grande transformação. Et cette grande transformation, donc, elle doit partir de nous-mêmes. Não é cobrar dos outros a transformação e a mudança, C'est pas exi... mas iniciar o processo dentro de nós. Ce ne, ça revient pas à exiger des autres qu'ils se transforment, qu'ils s'améliorent, mais à initier ce processus en nous-mêmes. Então, o que seria educar em paz
para a paz. Qu'est-ce que donc éduquer dans la paix et pour la paix? Porque educar em paz e educar para a paz necessita ser o nosso principal foco no momento. Parce que éduquer dans la paix et pour la paix, ça doit être notre. Il faut qu'on porte notre attention principale sur ce point en ce moment. E a educar para a paz é a proposta que a doutrina espírita, a proposta educativa que a doutrina espírita nos oferece. Et éduquer pour la paix, c'est la proposition éducative que nous offre la philosophie spirit. É um tratado de amor e paz. C'est un traité d'amour et de paix. E quanto tempo mais nós necessitamos para despertarmos? Et combien de temps nous faudra-t-il encore pour que nous éveiller à cette paix? Vivemos tempo em que urge, é fundamental, é urgente reivindicarmos para o verbo educar. Também no sentido de transformar. Et donc, en ce moment, c'est vraiment important et très urgent d'étendre dans ce mot éduquer aussi donc cet effort pour nous transformer. Pouvez répéter la phrase, Claudia, que houve un pequeno corte? Educar significa transformar. Éduquer, ça veut dire transformer. Já não é mais somente uma transmissão de conhecimentos. Ce n'est plus simplement la transmission des connaissances. Você pode ler, Charles, por favor. Ce n'est plus la transmission des connaissances qui est le facteur primordial, mais... Alors, je ne vois pas. Faire de la connaissance un instrument d'émancipation en incitant à la critique, à la réflexion et à la conscience de soi, des droits que nous avons et des devoirs dont nous jouissons tous également. Então, educar significa instrumento de emancipação. Donc, Pode continuar, Charles. Donc éduquer, c'est signifie un instrument d'émancipation. Porque nos leva à crítica, à reflexão, à conscientização. Parce que cela nous amène à la critique, à la réflexion, à la prise de conscience. À despertarmos para os nossos direitos e os nossos deveres. À nous éveiller à nos droits et à nos devoirs. E assim também necessita ser o nosso trabalho com os nossos filhos. Et ça doit être aussi notre travail vis-à-vis de nos enfants. Já não podemos mais virar para os nossos filhos e somente dizer, não faça isso. Nous ne pouvons plus tout simplement nous tourner vers nos enfants en leur disant, ne fais pas ça. Ele vai fazer novamente. Il va le refaire. Porque ele não compreendeu por que que ele não pode fazer isso. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi il ne peut pas faire ça. Então, o processo educativo, ele necessita transformar os nossos relacionamentos. Donc, le processus éducatif, il doit transformer la manière dont nous nous relationnons, des relations entre nous et l'enfant. Já não é mais o que eu quero que ele faça. Ce n'est plus ce que je veux qu'il doit faire. Mas por que que ele necessita fazer dessa maneira? Mais pourquoi il doit le faire de telle manière? Necessitamos levar as crianças e aos jovens a refletirem. Nous devons amener les enfants et les jeunes à réfléchir. A tomarem consciência da importância dos conselhos que oferecemos. À prendre conscience de l'importance des conseils que nous leur proposons. Não como uma imposição.
pas sous forme d'une imposition. Nós estamos naquele período de educativo de antigamente. Et pas non plus suivant ce processus ancien d'éducation. Já não podemos mais muitas das vezes educar aos nossos filhos da mesma maneira que nós fomos educados. Nous ne pouvons pas non plus éduquer nos enfants de la même façon dont nous avons été éduqués. Porque a sociedade é uma sociedade diferente. Parce que la société est différente. As crianças de hoje em dia, elas necessitam de diálogo. Les enfants aujourd'hui ont besoin de dialogue. Elas necessitam compreender o porquê das coisas. Elles ont besoin de comprendre le pourquoi des choses. E principalmente o porquê que eu necessito estudar, por exemplo. Et surtout, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'étudier, par exemple? O porquê eu não posso dormir tarde, por exemplo. Pode répéter? Por que eu não posso dormir tarde, por exemplo? Par exemple, pourquoi est-ce que je peux pas aller dormir trop tard, par exemple? Por que eu não posso jogar jogos de violência? Pourquoi est-ce que je peux pas jouer à des jeux violents? Por que o meu comportamento necessita ser diferente do outro? Pourquoi mon comportement doit être différent de celui des autres? Não é uma imposição, mas promover momentos em que as crianças sejam levadas a refletirem. Ce n'est pas une imposition, mais c'est tout simplement offrir aux enfants l'occasion de réfléchir. A compreenderem que existem direitos e deveres para todos nós. De comprendre qu'il existe des droits et des devoirs pour chacun de nous. Independe da idade. Indépendamment de l'âge. Mas muitas das vezes, quando entra numa idade mais avançada, de 7, 8 anos, é um pouco mais difícil. Mais il est fréquent aussi que quand l'âge avance, 7, 8, 9 ans, ça devient un peu plus difficile. E não sabemos mais como atuar. E parfois nous ne savons plus comment agir. E perguntamos, mas por quê? E nous nous demandons, mais pourquoi? Eu coloquei na melhor escola, ele tinha todo o conforto. Je l'ai mis dans la meilleure école, il a eu tout le confort nécessaire. E a minha pergunta é, e ele tinha a presença de você ao lado dele? E ma question serait, est-ce qu'il a pu avoir votre présence à côté de lui? Você sentou com ele para explicar os porquês? Est-ce que vous vous êtes assis avec lui pour lui expliquer les pourquoi? Então, por isso que educar é uma arte, porque requer de nós uma nova postura. Et c'est pour ça que éduquer, c'est un art, parce que ça demande de chacun de nous une nouvelle posture, une nouvelle manière de faire. E uma pergunta que nos chega neste momento, né? E como viver em paz num mundo tão conturbado? Et une question qui peut se poser, c'est comment est-ce qu'on peut vivre en paix dans un monde aussi perturbé? Como eu consigo educar em paz e viver em paz na atualidade? Comment est-ce que je peux éduquer en paix et vivre en paix dans l'actualité? É necessário nós compreendermos que educar para a paz e viver em paz não quer dizer ausência de conflitos. Et c'est important pour cela que nous comprenions que éduquer pour la paix et vivre pour la paix, ça n'implique pas forcément l'absence de conflits. Não quer dizer que não vamos ter desafios, não quer dizer que não vamos ter dificuldades para vencer. Ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas de défis ou que nous n'aurons pas de difficultés à vaincre, à surmonter. Há várias maneiras de vivenciar a paz, de vivenciar ou não a paz.
Il y a plusieurs manières de vivre la paix, de vivre ou pas la paix. E isso é um tema que vem sido buscado por todos. Todos almejamos viver em paz. Et c'est un thème que tout le monde recherche, puisque tout le monde souhaite vivre en paix. Todos almejamos viver em paz no seio da nossa família, no nosso ambiente de trabalho, no movimento espírita, na sociedade. Nous souhaitons tous vivre en paix dans notre famille, au travail, dans le mouvement spirite, dans la société en général. Mas não podemos esperar o mundo ideal, o mundo superior, para vivermos em paz. Mais nous ne pouvons attendre le monde idéal, le monde supérieur, pour vivre en paix. Educar em paz e para a paz necessita ser agora. Éduquer pour la paix et vivre en paix, c'est un besoin urgent pour maintenant, pour tout de suite. Precisamos despertar para uma grande realidade. Nous devons nous éveiller à une grande réalité. A paz, ela é o nosso estado de consciência. La paix, c'est notre état de conscience. É o nosso, pode ler, por favor, Charles. C'est une façon de voir et de vivre la vie qui s'inscrit dans trois domaines, le personnel, le social et le respect de l'environnement. Então, viver em paz precisa ser um estado da nossa consciência. Et donc, vivre en paix, ça doit être l'état de notre conscience. Precisa ser instalado dentro de nós esse processo de paz. Ce processus de paix doit s'installer en nous-mêmes. E como ele disse, e como estar aqui, as três dimensões, a dimensão pessoal. Et comme il le dit ici, dans trois domaines, hein, donc le domaine personnel, Que quer dizer a paz da nossa mente, a paz do nosso corpo, a paz das nossas emoções, a paz no nosso espírito. ça veut dire la paix de notre esprit, la paix dans notre corps physique, la paix dans notre mental. A paz do nosso próprio espírito, a nossa paz interior. La paix de notre propre esprit, la paix intérieure, la paix intime. A paz, a dimensão social, que quer dizer os nossos interrelacionamentos e os nossos relacionamentos grupais. Donc la paix aussi, donc c'est dans le domaine social qui signifie donc les relations que nous avons avec la société qui sont parfois brutales et violentes. E a paz ambiental, que é aquela que nos faz, faz com que nos reconheçamos como parte da natureza. Et donc la paix, le domaine du respect de l'environnement, c'est ce qui nous permet d'être en paix en se sentant intégré, partie intégrante de la nature. Fazemos parte desse mundo. Nós somos parte integrante desse planeta. Nous appartenons à son monde, à ce monde, nous sommes une partie intégrante de cette planète. Então, quando conseguimos este estado de consciência, nós vamos viver em paz conosco, com aqueles que estão conosco e viver em harmonia com o universo. Donc, quand nous allons donc vers la paix, donc c'est cet état de conscience qui fait que nous sommes en harmonie avec nous-mêmes, en harmonie avec les autres, le milieu social et aussi en harmonie avec la nature. Isso é um processo, gente. Não quer dizer que de hoje para amanhã eu vou conseguir esse estado de consciência. Et ça, c'est tout un processus, hein. Ça ne veut pas dire que du jour au lendemain, nous allons tous arriver
a cet état de conscience. Por isso que falamos que educar é transformar. É necessário essa mobilização interior para que a gente consiga chegar a esse estado de paz. C'est pour ça que nous avons dit que l'éducation, c'est un processus. C'est donc transformer cet état intérieur pour que nous arrivions à un état de conscience de paix. E eu digo para vocês, de uma maneira muito honesta, o quanto esse estudo de hoje me fez refletir. Et je, pour être honnête avec vous, il faut que enfin, je dois vous confesser de combien cette conférence d'aujourd'hui m'a amené moi-même à réfléchir. Porque desafios, dificuldades, todos nós temos. Parce que des défis et des difficultés, nous en avons tous. Faz parte do nosso processo de crescimento, de evolução. Cela fait partie de notre processus de croissance et d'évolution. Agora, como vamos enfrentar e vivenciar esses desafios, essas dificuldades, depende de nós. Mais comment est-ce que nous allons donc vivre et faire face à ces difficultés et à ces défis? Ça dépend de nous. Podemos passar todo o tempo nos lamentando, revoltados, angustiados. Nous pouvons passer notre temps à nous plaindre, à être révoltés, à nous angoisser. Ou podemos mudar de conduta. Ou nous pouvons changer de comportement. E no meio de encontrar a paz interior para buscar as soluções. Et donc, au milieu de tous ces défis, nous pourrons donc trouver la paix intérieure pour rechercher les solutions. Isso significa educar para a paz, educar de maneira que possamos viver em paz dentro de todas as atribulações. Donc c'est ça que veut dire éduquer pour la paix, pour que nous puissions construire cette paix en nous face à tous ces défis, toutes ces perturbations que nous souffrons. E temos uma ferramenta, grandiosa, que são os ensinamentos que a doutrina espírita. Et pour cela, nous avons donc un outil qui est grandiose, hein, qui sont les enseignements que nous propose la philosophie spirite. Que nos oferece todas as informações para esse transformar. Et donc, qui nous offre toutes les informations nécessaires, qui nous aident à cette transformation. Então, educação para a paz é um convite para que cada um de nós possamos encontrar em nós mesmos os caminhos para se viver em paz. Donc l'éducation pour la paix, c'est une invitation pour que chacun d'entre nous trouve en lui-même les moyens de vivre en paix. Para podermos educar, conviver com os nossos filhos em paz. Pour que nous puissions éduquer et vivre avec nos enfants en paix. Para encontrar as melhores soluções para os nossos desafios familiares e profissionais, mantendo a paz interior. Pour que nous puissions trouver les meilleures solutions, les meilleures réponses aux défis dans notre famille et dans notre travail en conservant cette paix. Eu gosto muito dessa frase de Maria Montessori, que foi uma educadora, uma pedagoga italiana. Poderia ler, Charles, por favor? Donc j'aime bien cette phrase de Maria Montessori, qui est donc une pédagogue italienne et qui disait: Établir la paix durablement est le travail de l'éducation. Não é uma paz, transitória, é uma paz duradoura, é uma paz que ela dá sustentação ao ser humano. Ce n'est pas une paix éphémère ou transitoire, c'est une paix durable qui donne les ressources pour comment dire évolutive pour chacun. Não são
momentos de paz, mas sim uma paz estabilizada, uma paz consistente, uma paz fortalecida. Ce ne sont pas de simples moments de paix, mais ce sont des, c'est une paix établie, continue, suivie. E tudo isso tem relação à nossa primeira conferência, que é educar sem agressividade. Et donc tout ça, là vous retrouvez le lien par rapport à la première conférence, c'est donc cette question d'éduquer sans violence. E vamos verificar alguns pontos importantes para a conquista desse processo de educar para a paz. Et nous allons donc vérifier quelques points importants pour ce processus d'éduquer pour la paix. Quais seriam alguns mecanismos que possibilitem o melhor processo em relação a nós e aos nossos filhos? Quels sont les mécanismes qui vont améliorer le processus pour nous et pour nos enfants? O primeiro deles é o diálogo. Le premier, c'est le dialogue. E na atualidade, como está sendo difícil encontrarmos esses momentos de diálogos dentro da família. Et en ce moment, c'est plutôt difficile de trouver ces moments de dialogue au sein de la famille. Então, um dos pontos principais para conseguirmos este processo de educação em paz e para a paz é promovermos o diálogo. Et donc, une étape fondamentale pour développer ce processus de paix et d'éducation pour la paix, c'est de créer des conditions favorables pour le dialogue. Mas é importante também compreendermos como será esse diálogo. Mais il est aussi important de comprendre comment est-ce que ce dialogue doit avoir lieu. Porque não é um diálogo onde haja acusações. Parce que ce n'est pas un dialogue avec des accusations. Não é um diálogo que deva ser focado nos problemas, e sim nas soluções. Ce n'est pas un dialogue qui doit être focalisé sur les problèmes, mais plutôt sur les solutions. Um diálogo mantendo um clima amoroso, um clima respeitoso. Un dialogue qui maintient un climat d'amour et de respect. Um diálogo onde possamos exercitar a nossa escuta. Un dialogue où nous pouvons exerciter. Exercita o quê, Claudia? A nossa escuta. Ah, un dialogue où nous pouvons exercer notre écoute. Porque existe uma diferença entre ouvir e escutar. Parce qu'il y a une différence entre entendre et écouter. E nesses diálogos familiares, como em todos os diálogos, é necessário sabermos escutar. Et donc, dans ces dialogues familiaux, comme dans tous les dialogues, il est nécessaire de savoir écouter. Porque ouvir é um processo mecânico, é um processo orgânico. É ouvir o que o outro. Donc, parce que entendre, c'est un process mécanique et organique qui correspond à entendre ce que l'autre dit. Ouvir não quer dizer necessariamente que você compreendeu o que está sendo falado. Entendre, ça ne veut pas dire forcément que vous avez compris ce que l'autre veut dire. Escutar requer de nós a compreensão daquilo que estamos ouvindo. Écouter, c'est quelque chose qui va plus loin, qui nous demande de comprendre ce que l'autre veut nous dire. Então, esses diálogos necessitam ter como base saber escutar. Et donc ces dialogues ont besoin de cette base de savoir entendre. E também saber falar, saber se posicionar. Et aussi savoir parler, savoir prendre position. Sem críticas, sem julgamentos, sem agressividade, sem querer ser o dono da verdade.
sans critique, sans jugement, sans vouloir être le maître de la vérité. Mas oferecer a oportunidade para que todos possam se expressar livremente, sem medo. Mais ouvrir l'occasion pour que chacun puisse s'exprimer sans peur. Uma frase que eu considero também brilhante da Madre Teresa de Calcutá: a paz no mundo começa na família. Et une phrase que j'aime bien de Sœur Thérèse de Calcutta, Mère Thérèse de Calcutta, c'est « La paix du monde commence à la maison E começa através desse diálogo fraterno e amoroso. ». Elle commence par ce dialogue fraternel et amoureux. Precisamos promover no seio da nossa família esse diálogo. Nous devons promouvoir au sein de notre famille ce dialogue. No sentido de conversarmos sobre os direitos e os deveres de todos dentro do lar. Dans le sens de parler des devoirs et des droits de chacun au sein du foyer. Os direitos e deveres na colaboração, os direitos e deveres na realização das tarefas escolares. Les droits et les devoirs dans la collaboration, les droits et les devoirs dans la réalisation des tâches de l'école. O outro ponto extremamente importante para esse educar em paz e para a paz é respeitar as diferenças. Un autre point qui est très important dans ce dialogue pour la paix et respecter la paix, c'est de respecter les différences. Não somos iguais. Nous ne sommes pas égaux. Pensamos de maneira diferente, trazemos uma bagagem espiritual de maneira diferente. Nous pensons de façon différente, nous apportons un bagage spirituel qui est différent. Observamos quando temos mais de um filho as diferenças que existem entre eles. Quand nous avons plus qu'un enfant, nous pouvons facilement observer la différence qui existe entre eux. Essas diferenças fazem parte desse processo de nossa transformação interior. Ce respect, ça fait partie de ce processus de notre transformation intérieure. Então, é respeitar que muitas das vezes os nossos filhos pensam de maneira diferente a nós. C'est donc le fait de respecter que nos enfants pensent souvent de façon différente de nous. E aí a importância do diálogo para juntos refletirmos sobre todos os temas. D'où l'importance du dialogue pour pouvoir réfléchir ensemble sur ces mots. Sempre conduzindo esse diálogo na direção do respeito e da amorosidade. En orientant toujours ce dialogue dans le sens du respect et de l'amour. Um outro exemplo, um outro ponto extremamente importante em relação à educação é que somos exemplos para os nossos filhos. Un autre point très important, c'est que dans ce processus éducatif, c'est que nous sommes des exemples pour nos enfants. E como somos exemplos, que tipo de exemplos estamos sendo na atualidade? Et comme nous sommes des exemples, quel genre d'exemples sommes-nous dans l'actualité? E é necessário, é imprescindível que nós façamos uma viagem interior, que possamos conversar conosco mesmo. Et donc, il est nécessaire et indispensable que nous fassions un voyage intime, que nous conversions avec, que nous ayons une conversation avec nous-mêmes. Que tipo de exemplo eu estou sendo para os meus filhos, para os meus familiares, para os meus colegas de trabalho, para a sociedade? Quel exemple suis-je pour dans ma famille, pour mes enfants, pour les collègues de travail ou dans la société? É necessário uma conversa conosco mesmo de maneira real. Il est nécessaire que nous ayons une conversation avec nous-mêmes de façon transparente et réelle. Avaliar o nosso interior
Não para apontar as nossas más tendências, mas para verificar o que precisamos transformar. Examiner donc notre intérieur, non pas pour uniquement constater nos défauts, mais pour voir ce à quoi nous devons travailler pour les transformer. Os nossos filhos aprendem através do nosso exemplo. Nos enfants apprennent par notre exemple. As pessoas que convivem conosco aprendem também através do nosso exemplo. Les personnes qui vivent avec nous apprennent aussi par notre exemple. Os espíritos desencarnados também acompanham o nosso exemplo. Les esprits désincarnés accompagnent aussi notre exemple. Existe uma frase de Carl Jung que eu também acho brilhante. Quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Desperta para a verdadeira transformação. Une très belle phrase aussi de Carl Gustav Jung, qui dit: Celui qui regarde vers l'extérieur rêve, celui qui regarde vers l'intérieur s'éveille et peut rechercher donc cette transformation. Então, é necessário fazermos essa pesquisa, essa investigação interior, para verificarmos aonde precisamos modificar. Donc, cet examen à l'intérieur de nous-mêmes est nécessaire pour définir ce que nous avons besoin de modifier. Um outro ponto extremamente importante é definir as prioridades. Quais as prioridades que queremos para a nossa vida, para a nossa família, para os nossos filhos. Un autre point important, c'est de définir les priorités pour notre vie, pour notre famille, pour nos enfants. O que nós desejamos conquistar? O que nós desejamos? Conquistar. Que souhaitons-nous conquérir? E não podemos nos esquecer deste momento de eleger as nossas prioridades. Et nous ne devons pas oublier ce moment d'élire, de choisir nos priorités. O que encontramos na pergunta 153 do Livro dos Espíritos? Pour cela, nous aide la réponse des esprits à la question 153 du livre des esprits. Você pode ler, Charles, por favor. C'est la vie de l'esprit qui est éternelle. Celle du corps est transitoire et passagère. Quand le corps meurt, l'âme rentre dans la vie éternelle. Então, vamos eleger as nossas prioridades tendo muito em mente essa informação dos espíritos. Donc, cherchons à cette transformation en nous-mêmes et les priorités dans notre vie en gardant cet aspect à l'esprit. São vários pontos, mas um último ponto que eu gostaria de trazer para vocês, extremamente importante dentro desse processo, é a nossa conexão com Deus. Alors, il y a plusieurs points encore, mais un point qui est très important dans ce processus, c'est notre connexion avec Dieu. Porque na atualidade vivemos conectados, né? Não podemos perder a conexão. Aujourd'hui, nous sommes connectés, hein? Nous on ne peut plus perdre la connexion. E a minha pergunta é: como está a sua conexão com Deus? Et donc, ma question, c'est comment est votre connexion avec Dieu? E é importante refletirmos que essa conexão não é somente através das nossas orações. Et il est important de réfléchir au fait que cette connexion, ce n'est pas uniquement par les prières. Essa conexão com Deus necessita ser permanente. Cette connexion avec Dieu, il faudrait qu'elle soit permanente. Ela é muito mais além do que as nossas orações. Elle va bien au-delà que nos prières, de nos prières. É a nossa conversação com Ele em todos os momentos da nossa vida. C'est notre conversation avec lui à tous les moments de notre vie. É a nossa conversação com Ele nas 24 horas do nosso dia. C'est notre conversation avec lui 24 heures par jour.
através de toda a criação que ele nos oferece. Par toute cette création qu'il nous offre. Por isso que é importante nos sentirmos parte dessa criação. Et c'est pour ça qu'il est important que nous nous sentions une partie de cette création. Porque vamos perceber a presença de Deus em cada detalhe. Parce que nous allons au fur et à mesure percevoir cette présence de Dieu dans chaque détail. A presença dele através da natureza nos fazendo persistir nessa conquista da paz. Sa présence dans la nature qui nous aide à persister dans cette conquête de la paix. Então, é necessário nós despertarmos que esse contato, essa conexão, não pode ser somente nos momentos de nossas orações. Et donc c'est tout cela nous amène à voir que ce fait important que c'est pas uniquement pendant nos prières. Quantos de nós, nos momentos de grandes atribulações e desafios, nem sequer conseguimos orar? Combien d'entre nous, dans les moments de grandes difficultés et de défis, on n'arrive même pas à prier? Mas conseguiremos conversar com a natureza. Mais par exemple, on arriverait plus mieux à parler avec la nature. E ali estaremos trabalhando esse estado de consciência. Et c'est là que nous arriverons à travailler cet état de conscience. Para finalizar esse nosso encontro de hoje, pour finaliser cette conférence d'aujourd'hui, é um tema extremamente amplo e daria mais e mais e mais conversas. Qui est un thème très très large et duquel on pourrait parler pendant longtemps. Eu gostaria de trazer três frases para deixar para nossa reflexão. Je voudrais donc soumettre trois phrases à votre réflexion. A primeira delas é de Madre Teresa. Você pode ler, Charles, por favor? La première, c'est de Mère Teresa. Nous ne devons permettre à personne de quitter notre présence sans qu'il ou elle se sente mieux. É fazer brilhar a luz interior que cada um de nós carrega. C'est de faire briller la lumière intérieure que chacun de nous possède. Educar para a paz é justamente isso. Não permitir. Éduquer pour la paix, c'est justement ça. Não permitir que ninguém saia da nossa presença sem se sentir melhor. De ne permettre que personne quitte notre présence sans se sentir mieux. Seja nossos filhos, nossos familiares, nossos colegas de trabalho, seja na rua. Nos enfants, les membres de notre famille, nos collègues de travail ou dans la rue. Uma outra frase extremamente importante para a nossa reflexão nos fala Dalai Lama. Une autre phrase importante pour notre réflexion nous est apportée par le Dalai Lama. Poderia ler, Charles, por favor? Je t'offre la paix, je t'offre l'amour, je t'offre l'amitié. Je vois ta beauté, j'entends votre besoin, je ressens tes sentiments. Travaillons ensemble pour l'unité et la paix. Et pour último, Chico Xavier. Et la dernière, donc, qui est de Chico Xavier. Où que vous soyez, soyez l'âme de ce lieu. Quand nous estivermos educando os nossos filhos, quand nous estivermos dialogando em família, quand nous estivermos convivendo no nosso ambiente profissional. Quand nous éduquons nos enfants, quand nous vivons en famille, quand nous vivons dans notre milieu professionnel. Pode repetir, por favor, que houve um corte de novo. No centro espírita. Quand on va dans le centre spirit, par exemple. Então, eu gostaria de deixar como mensagem final para cada um de vocês, para todos nós, para mim também, essas frases imediatamente o nosso processo de educar em paz e
Donc, alors, j'ai pas tout entendu, mais donc elle souhaite donc soumettre à chacun de nous, y compris à elle-même, hein, donc ces trois phrases pour que cela puisse éveiller en nous ce désir de travailler et puis d'éduquer pour la paix. Agradeço imensamente a cada um de vocês por ter nos recebido no lar esta noite. Obrigada, Charles. Obrigada a todos por mais esta oportunidade. Merci à chacun de vous pour m'avoir accueilli dans votre foyer ce soir. Merci à Charles, merci à tous pour cette occasion. Merci. Merci Claudia, obrigado Claudia. Nous avons beaucoup, beaucoup de commentaires et de questions. Hein. Nous avons muitos comentários et muitas perguntas. A Beatriz que está me colocando estrelas aí naqueles que são mais importantes, né? Que é a concentração da tradução, não pude olhar ao vivo. Aí, j'étais en train de dire qu'on a beaucoup de commentaires et de questions, hein? Donc, concentré sur la traduction, j'ai pas pu suivre, mais il y a notre sœur Béatrice donc qui est dans en backup, hein, qui m'a signalé tous les commentaires. Donc, je vais commencer par le premier. Il y en a 23 en tout. Hein, on va commencer, on va y aller. São 23 em todo, né? Et vamos começar pelo primeiro. Então, é nosso irmão Vincent, né? Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela organização desta noite. Esses dois temas da educação e da violência são primordiais ir para um mundo melhor. Hein? Bonsoir a toutes et à tous, un grand merci pour l'organisation de cette soirée. Ces deux thèmes de l'éducation et de la violence sont primordiaux à aller vers un monde meilleur. C'est tout à fait ça, Vincent. Merci beaucoup pour ce commentaire. Ensuite, nous avons une question de Vincent, hein? Donc, que vous pouvez lire à l'écran, que je vais traduire à Claudia. Como é, tem uma pergunta da mesma pessoa, como que nós adultos podemos ser em capacidade de nos ligar às nossas emoções para poder expressar as nossas necessidades? Como os adultos, eles podem Como nós adultos podemos estar capacitados de nos ligar às nossas emoções para poder expressar ou dizer as nossas necessidades. Olha, Vincent, não? Vincent, é. Vincent, é importante nós compreendermos que as nossas emoções, elas são espontâneas. Ela é um processo natural e nós não temos como controlar. Donc, Vincent, il est important donc, déjà de dire que nos émotions, c'est un processus naturel. Elles sont spontanées et donc on n'a pas les moyens de les contrôler à un instant T. A emoção. Répète, Claudia, parce qu'il y a eu nouvellement un corte. On sait si ça met. A emoção surge de maneira imediata. L'émotion, elle apparaît de façon immédiate et spontanée. A raiva, la o medo, colère, a alegria. La São tristeza. Emoções. Ouais, ce sont des émotions. O que nós precisamos é aprender a educar essas emoções. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est d'apprendre à éduquer ces émotions. Nos emoções. Perdão, não é educar as emoções. As emoções, elas geram sentimentos. Ou plutôt, c'est pas éduquer nos emoções, parce que les emoções, elles entraînent des sentiments. Educar estes sentimentos, eles sim nós podemos controlar. Et donc, le but, c'est d'éduquer ces sentiments, parce que ceux-là, oui, on peut les contrôler. Então, a educação para a paz, ela quer dizer justamente colocarmos para fora os nossos sentimentos, mas de maneira controlada. L'éducation pour la paix, donc, c'est
d'exprimer nos sentiments, mais de façon contrôlée. Por exemplo, a raiva é uma emoção que ela surge. Par exemple, la colère, c'est une émotion qui surgit. E ela vai gerar um sentimento de ódio, de irritação, de agressividade. Et elle va générer un sentiment d'irritation, d'agressivité. Então, são esses sentimentos que nós precisamos educá-los. Et ce sont ces sentiments que nous avons besoin d'éduquer. Eu sei que a raiva vem, mas eu preciso transformá-la amorosamente. Je sais que la colère va venir, mais il faut que j'apprenne à la transformer amoureusement. Isso não quer dizer que eu não vou ficar, como se diz, eu não vou não reagir àquele sentimento. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas réagir à ce sentiment. Isso quer dizer que eu vou controlar os sentimentos gerados pela raiva. Mais ça veut dire que je vais contrôler les sentiments qui sont générés par la colère. Então, se eu sei que eu tenho tendência a ser muito agressivo, Donc je sais que si j'ai une tendance à être très agressif, eu preciso me educar interiormente para diminuir essa agressividade. il faut que je m'éduque intérieurement pour réduire cette agressivité. Espero ter respondido. J'espère avoir répondu à la question. Isso é um tema de conferência, Charles. Dit Educar que, voilà, ça c'est éduquer les sentiments, c'est un sujet pour une conférence entière. Ça peut d'ailleurs nous donner, pode até nous dar uma ideia para a próxima, né, Claudia? sentimento. On a Sim. déjà une idée pour la prochaine conférence de Claudia. Alors, ensuite, nous avons Meriel, donc, qui nous dit, je vais être mamie dans 2 mois et j'angoisse beaucoup pour ce petit être qui arrive. Ma fille, sa maman est auxiliaire de puériculture et lutte contre les douces violences. Er wosser avó, nem 2 meses, e eu tenho bastante angústia, muita angústia, em relação a esse pequeno ser que está chegando. Minha filha, a mãe dele, é auxiliar de puericultura e luta contra as doces violências. Doces violências. Ela continua aqui. Minha filha sofreu violências psicológicas e difíceis do seu pai. E eu vejo que o marido dela é também assim. Eu pensava que isto ia parar. Deixa eu ver aqui. Com ela, mas eu vejo que o esquema ainda vai se repetir e isso me deixa entristecida. Esta encarnação numa família onde reina violências educativas. Vou Bom, continuando. Do meu continua. lado, eu luto contra as violências feitas às crianças. Eu denunciei, né, assinalei alguns casos, mas esse fato está se voltando contra mim. Nós podemos educar as crianças sem ser violentos. Sim, Marielle, eu sou avó de 3 crianças. E Donc, Muriel, je suis grand-mère de 3 enfants. ser avó foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha vida. Et le fait d'être grand-mère, c'est la meilleure chose qui a pu arriver dans ma vie. Me fez também aprender que os responsáveis pela educação dos meus netos são os pais. Et ça m'a aussi permis d'apprendre que ceux qui sont responsables pour l'éducation de mes petits-enfants, ce sont leurs parents. E muitas das vezes, e sempre que necessário, eu chamo a atenção dos meus filhos para alguma coisa que eu observe que eu não esteja de acordo. Et ça m'arrive souvent d'attirer l'attention, d'appeler l'attention de mes enfants sur certaines choses que j'ai pu observer, sur lesquelles je ne suis pas tout à fait en accord. Mas são adultos e eu não posso obrigá-los a seguir os meus conselhos.
Mais ce sont des adultes et je ne peux bien sûr pas les obliger à suivre mes conseils. Mas como avó, eu ofereço para aquele espírito o que de melhor eu tiver. Mais comme grand-mère, j'offre à cet esprit ce que j'ai de mieux, de meilleur en moi. E aproveito a todas as oportunidades que as crianças estão comigo para educar para a paz. Et je profite de toutes les occasions donc où ces enfants sont, ces petits-enfants sont avec moi pour éduquer pour la paix. Oferece todo o seu amor para esse netinho que está chegando. Offrez tout votre amour pour ce petit-fils qui arrive. Converse com ele todas as vezes que você tiver ele no seu colo. Parlez avec lui chaque fois que vous l'avez sur vos genoux. Transmita a ele todos os seus bons sentimentos. Transmettez-lui tous vos bons sentiments. E fale para ele que você vai estar sempre ao lado dele. Et dites-lui que vous serez toujours à côté de lui. Em relação à sua filha, Et en ce qui concerne votre fille, tente, através do diálogo, fazê-la refletir que o processo está se repetindo. et faites-la réfléchir par le dialogue que le processus se répète. E que ela encontre seu apoio, forças e coragem para educar esse filho sem violência. Et qu'elle puisse trouver avec votre appui la force et le courage pour éduquer cet enfant sans violence. Obrigado, Marielle, pela sua participação. Merci pour votre participation et votre question. Tem mais de Marielle, hein, daqui a pouco. Alors, je remonte. Voilà, on a donc aussi. Bon, tem un commentaire da Katia que você pode ler en portugais. Donc, Katia qui nous écrit. L'école instruit et les parents éduquent. É isso mesmo, né? Sim. Na verdade, a escola, ela não só instrui, porque a responsabilidade dos professores também é educar. Alors, en vérité, ça fait partie de la responsabilité des professeurs d'éduquer aussi, hein, c'est pas que l'instruction. Como professores, eu fui professora de profissão. Et donc, j'ai été professeur de métier, de mon métier. Nós precisamos aproveitar todas as oportunidades que estamos com aquelas crianças para também educá-los. Nous devons profiter de toutes les occasions que nous avons avec ces enfants pour aussi les éduquer. Acho que somos, recebemos uma remuneração para transmitir conhecimentos, para instruí-los. Et donc, il faut profiter. Bom, notre but, ce pourquoi nous sommes payés, c'est de transmettre des connaissances. Como educadoras, temos a responsabilidade moral de também educá-los. Mais comme éducateurs, nous avons aussi la responsabilité morale de les éduquer également. Se eu vejo um mau comportamento, por exemplo, um comportamento inadequado de uma criança, eu necessito conversar com ela sobre aquilo. Si je vois qu'un enfant a un comportement inadéquat, je dois aller lui parler à ce sujet. Voilà. Alors, vamos continuar. On va reprendre la question de Myriel ou le commentaire de Myriel. Donc, Myriel qui nous dit, dans le monde faut que je me trompe. No mundo da pequena infância, os profissionais não são suficientemente formados para acompanhar as crianças vítimas nos lares deles de negligências. Na educação das crianças. Existem profissionais que realmente são capacitados para isso, né? C'est vrai qu'il y a des professionnels qui ont la formation, mais pas tous. Ela continua. Nós podemos educar nossos filhos a acompanhar as crianças sem necessitar da força e da violência, qualquer que seja. Sempre.
Toujours, c'est le Isso but de la conférence, é effectivement. mais o processo educativo dos próprios pais. C'est donc aussi un processus éducatif des parents eux-mêmes. Aí ela continua. Os profissionais da pequena infância não são suficientemente formados e acompanhados eles mesmos. E daí decorrem violências psicológicas ou físicas nas crianças que eles acompanham, por Também. falta de formação, né? Sim, também. É, Quantas eu... reportagens, né? Quantas reportagens a gente observa na internet dos próprios profissionais que deveriam cuidar daquelas crianças sendo agressivos e violentos com aquelas crianças, não? C'est vrai qu'on trouve beaucoup d'exemples de reportages où on voit effectivement ces problèmes qu'on ne devrait plus rencontrer aujourd'hui. Donc après, on a une question de Dominique, notre frère Dominique. On m'a pergunta de Dominique, será que há uma juventude difícil de um espírito? Faz parte do programa da reencarnação dele. Eu penso a Chico Xavier, que sofreu muito, e apesar desse sofrimento, ele desenvolveu-se como homem de bem. Nós não temos uma bola de cristal para prever se aqueles acontecimentos eles faziam parte ou não do programa reencarnatório. On n'a pas de boule de cristal, hein, pour pouvoir déterminer de façon sûre si, les difficultés font partie du programme, réincarnatoire ou pas. E por não sabermos dessas informações, é imprescindível que a educação desse espírito inicie ainda no ventre. Et donc, c'est pour ça, dans le doute. Qu'il faut faire de sorte que le processus d'éducation commence lorsque l'enfant est encore dans le ventre. Porque quando os desafios surgirem, quando as dificuldades surgirem, esse espírito já está mais preparado para enfrentar esses desafios. Parce que le jour où les défis ou les difficultés se présentent, ben cet esprit qui est en train de se réincarner aura déjà reçu une préparation pour y faire face. Não podemos justificar as violências, a violência que as crianças ou os jovens são submetidos como um programa reencarnatório. On ne peut pas toujours justifier les violences que des enfants et des jeunes souffrent comme un programme réincarnatoire, de réincarnation. Chico Xavier era um caso específico pelo desenvolvimento, pela evolução espiritual que ele já trazia. Chico Xavier, c'est un cas spécifique. De par l'évolution qu'il avait déjà avant cette réincarnation. O preparo que ele já trazia. Cette préparation dont il était déjà porteur. Isso não quer dizer que todas as crianças e os jovens vão suportar esses desafios e se tornarem homens de bem. Et ça veut pas dire non plus. Donc c'est pour ça que tous les enfants ne vont pas supporter ces violences et ces défis et n'arriveront pas à se transformer ou à se développer cet homme de bien en eux. Não podemos ju apresentar justificativas para as situações de violência que ocorrem. On ne peut pas trouver de justification pour les situations de violence qui se produisent. Não podemos justificar tudo como sendo parte de um programa reencarnatório. On ne peut pas tout justifier comme étant partie d'un processus de réincarnation. O bem que se faz anula o mal que se fez. Le bien qu'on fait annule le mal qu'on a fait. Voilà. Je suis tout à fait d'accord avec Claudia parce que on va complémenter un peu.
Le fait de dire, bon, ben voilà, il souffre parce que ouais, c'est une dette du passé, et prendre la tangente pour autant, vous voyez ce que je veux dire? Non, il faut constamment lutter contre ces violences, quelles qu'elles soient. Le fait qu'elles soient méritées ou pas, c'est pas notre affaire, quoi, c'est l'affaire de Dieu. Temos então outra. Isso é um comentário, né, de Kátia. Merci, obrigado, Cláudia Verdini, uma grande educadora. Voilà. Agora, Meriel, de novo, que nos diz: sim, é verdade que acompanhar, educar uma criança como pa parente, como pai, né, é uma pesada responsabilidade. E reformar-se a si mesmo para evitar de reproduzir o que nossos pais fizeram. Né? Meriel, Confirmando o que você falou, né? eu não considero que seja uma pesada. É uma responsabilidade e que é extremamente importante, uma responsabilidade que nós assumimos na espiritualidade. Donc elle dit, c'est pas tellement une lourde responsabilité, mais c'est une responsabilité que la plupart du temps nous avons nous-mêmes assumée en nous réincarnant. Voilà. Depois, quando eu tive que enfrentar as violências do pai de minha criança, eu pedia a Deus ajuda para encontrar soluções para protegê-la o melhor que eu posso. Sem ninguém para me ajudar, eu tinha que fazer sozinha. É muito lamentável e triste. Ouais, c'est dur et puis c'est triste, hein, mais bom. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ces conférences, justement pour apporter des ressources, pour pouvoir faire face à ce genre de difficultés. Eu complementei dizendo, é por isso que a gente está fazendo essas conferências, né, para trazer recursos para as pessoas que enfrentam esse tipo de dificuldade. Sim, que não é fácil, Porque sabe? isso é para fácil. Não é fácil porque depende de uma série de fatores, né? Ça dépend de toute une série de facteurs. Depois, après, nous avons une question de Hervé, la pergunta do Hervé. Observação, é bastante difícil educar nossas crianças se nós mesmos temos sofrido e usado, às vezes, castigos corporais. Mas isso foi uma outra época. É isso que precisamos urgentemente despertar, que não é mais aquele sistema, não pode ser mais aquele sistema educacional que nós recebemos. Eu também recebi uma educação extremamente violenta e procurei não repeti-la com os meus filhos. Et donc c'est effectivement ce qu'il faut éveiller, hein, comme Claudia l'a dit dans sa conférence. Elle-même a aussi subi une éducation sévère, mais elle en a vu les inconvénients et donc elle a tout fait pour éviter de la répéter vis-à-vis de ses enfants, parce que le monde change. Voilà. Depois temos Meriel de novo. Respondendo ao Hervé, sim, é verdade, mas é pena que reproduzir os erros dos é pena reproduzir os erros dos pais. Esse trabalho é difícil, é verdade, mas se nós queremos um mundo de paz, nós precisamos tentar, custa o que custar, de dar uma outra educação às nossas crianças, baseada no respeito, na comunicação de valores morais sadias. A criança é um adulto, um futuro adulto, né? O mais belo, a mais bela herança a dar-lhes é o amor. Sim, concordo. Bravo, Merielo, é tout à fait d'accord. E o Hervé respondendo também, eu efetuei um arrependimento com um dos meus filhos, que foi de um caráter muito irritável, né? Complicado. Sim, mas uma coisa também precisamos compreender.
que para lidar com essas crianças mais rebeldes, mais difíceis, ainda mais pais necessitamos. Porque quanto mais agredimos, mais eles se tornam agressivos. Et Claudia dit que c'est vrai, et c'est particulièrement difficile dans ces cas-là, parce que plus ils sont irritables et agressifs, plus il nous faut la force pour garder cette paix en nous-mêmes. Se não descontar em nós, essa agressividade será colocada para fora, na escola, na sociedade. Et souvent, donc, accepter qui décharge quelque part cette agressivité sur nous, parce que s'ils ne la déchargent pas sur nous, ils vont finir par la décharger à l'extérieur, à l'école, au travail ou ailleurs. Por isso a importância de nós controlarmos isso desde a mais tenra idade. E é por isso que é importante controlar isso desde a mais jovem infância, de irritabilidade. O plantar e o colher. Do fait de plantar, de recolher o que a planté. Eu tive 4 filhos e confesso que não foi tarefa fácil. J'ai eu 4 enfants e je dois confesser que ça n'a pas été facile. 4 espíritos completamente diferentes. 4 esprits complètement différents. Um deles extremamente difícil de conviver. Des moments très difficiles à vivre. Mas eu tinha muito claro que não seria através da violência que eu iria educar meus filhos. Mais c'était très clair pour moi que ça n'allait pas être par la violence que j'allais éduquer mes enfants. E tive que fazer trabalho interno muito grande, porque é natural nós repetirmos o processo. Et j'ai dû faire un travail intime très très fort parce que c'est pas facile de ne pas répéter les processus. É um comportamento habitual nós tentarmos fazer da mesma maneira que os fizeram conosco. Parce que c'est quelque part un comportement naturel de faire de la même façon que, des parents, que nos parents ont fait envers nous. Então, eu tive que fazer processo muito irritada. Et donc, elle a dû appliquer un processus particulier pour les enfants qui eux aussi étaient très irritables. Então, eu não era agressiva, mas pelo meu tom de voz, eu demonstrava estar irritada. J'étais pas agressive, mais par le ton de ma voix, je montrais que moi-même aussi j'étais irrité. Mas eu criei o hábito de sentar com os meus filhos desde pequenininhos no chão para conversar. Mais j'ai donc installé cette habitude de parler avec mes enfants en m'asseyant par terre pour parler avec eux. E dia, esse meu filho, que era o mais agitado, vamos dizer assim. Et un jour, mon fils, qui était le plus agité, pour ainsi dire, ele me disse, mas como você quer que eu fique calmo se você está agitado? Il m'a dit, comment est-ce que tu veux que je reste calme si toi-même tu es agité? E eu pensei que eu estivesse falando o mais amoroso possível. Alors que je pensais que je lui parlais le plus amoureusement possible. Mas eu devia estar exalando irritação porque já não era a primeira vez que eu falava com ele. Mais je devais certainement exhaler un peu d'irritation parce que ce n'était pas la première fois que je parlais avec lui de sujet. Então, por isso que eu falei na conferência que é processo, não é de hoje para amanhã, nós precisamos iniciar esse processo de transformação. C'est pour ça que j'ai dit pendant la conférence que c'est un processus, hein, et ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut travailler à ce processus en permanence, à ce processus de transformation. Voilà, donc on a Mériel encore, qui nous dit « c'est le travail le plus difficile que de se réformer intérieurement, c'est un travail de tous les jours ». Oui, et c'est effectivement le travail le plus… Alors, é um trabalho mais difícil de se reformar intimamente, né? Um trabalho de todos os dias.
Effectivement, c'est le but de notre vie, quoi. É mais difícil do que educar os nossos filhos. Et c'est plus difficile que d'éduquer nos enfants. À Hervé, les enfants sont de vrais miroirs, ils nous montrent les failles à travailler. Mon enfant m'a beaucoup fait travailler, je la remercie beaucoup. Elle a répondu à Hervé, disant: As crianças são verdadeiros espelhos, eles nos mostram as falhas que devemos trabalhar. Meu Sim. filho me fez muito trabalhar e não, minha filha, né, me fez muito trabalhar. Eu a agradeço muito. Sim, eu também agradeço os meus filhos. Oui, et donc Claudia remercie aussi beaucoup ses enfants. Voilà. Et Hervé que nos dit, e é porque eu mudei muito o meu comportamento. Pelo amor dos meus netos. Sim. Meriel que nos diz: eu também me irritei, gritei com minha criança, eu pude conversar com ela e nós pudemos encontrar um meio de comunicar de maneira diferente. Né? Ótimo. Como quoi c'est possible, c'est très bien. Sim. Alors là, on a une question de Maïté Jean, donc de Maïté, que nos diz: muito importante a reflexão de Cláudia. Algumas vezes nós não conseguimos a fazer preces, né, quando se falou daquilo, mas nós podemos nos conectar com a natureza. Felicitações, Cláudia e Michel. Eu aprendi esse processo, Maite. Eu aprendi que não é somente as orações, que o mais importante é essa nossa conexão todo o tempo com Deus. E eu aprendi a conversar com a natureza e eu percebo as respostas de Deus através dessas conversações. Donc, Claudia répond que c'est quelque chose qu'elle a appris, hein, que c'était, que c'est pas que par les prières, et donc elle a pris cette habitude de converser avec Dieu en permanence, par la nature, par exemple, et elle ressent en fait les réponses qui lui parviennent de Dieu par ce biais-là. Voilà. E quando eu estou sozinha, Charles, complementa para ela, quando eu estou sozinha, eu falo em voz alta com as plantas, com os passarinhos. Et quand elle est seule, ben, elle parle à voix haute avec les plantes, avec les oiseaux. Quando tem alguém, não, porque para não pensar que eu estou meio perturbada. Quand il y a quelqu'un, elle ne le fait pas parce que pour éviter qu'il pense qu'elle est un peu perturbée. Voilà. Myriel qui insiste também, né? Éducation das émotions, contrôler as émotions, né? E respondendo ainda ao Hervé, eu espero ter um pouco conseguido a transmitir uma educação baseada na não violência e no respeito da criança. Eu farei melhor numa outra vida. Ah, oui, on évolue tous, hein, l'apprentissage se fait pas par pas, étape par étape, on se trompe. Après, ben, on se rend compte qu'on s'est trompé et ben, on essaye d'analyser de comment on pourrait faire mieux. Puis ensuite, on fait mieux. On se trompera encore un peu, mais moins qu'avant. Et c'est comme ça qu'on évolue. O importante é ainda tempo de fazer um pouquinho melhor. Repita, por favor. Enquanto estamos encarnados, ainda temos tempo de fazer um pouquinho melhor. Voilà. Et Claudia, elle dit, il faut en profiter encore dans cette vie, il ne faut pas attendre la prochaine vie. Hein. Donc, dans cette vie, on peut déjà comprendre et changer beaucoup de choses. Mais une de Merielle, répondant à Hervé, si nous sommes ici pour évoluer, pour nous réformer, apesar de tudo, a gente gostaria de ter feito melhor com outros meios. Nós fizemos o melhor que pudemos, com os conhecimentos e os meios que a gente tinha, né? Aí.
Alors, descend. Hop, ainda Mediel. Durante seus estudos, minha filha seguiu psicólogo porque estava em estágio e ela teve medo sozinha. Ela teve vontade de criar e chacoalhar um bebê. Ela não suportava seus gritos e sua profissão a transformou. Que ótimo que ela se transformou. Oui, ça c'est très bien aussi. Voilà. E terminando, com um comentário do Hervé, a prece constante a ajudará a acalmar-se. Voilà, je pense qu'on a passé en revue tous les commentaires. Je ne les ai pas tous lus dans les deux langues, hein. Je pense que vous avez pu les lire au fur et à mesure qu'ils passaient à l'écran. Je ne sais pas, Béatrice, s'il y en a encore d'autres. Non, je ne vois plus d'étoiles. Donc, pour l'instant. Alors, Marie-Claudine qui arrive, mais bon, alors c'est vrai qu'on arrive presque à la fin, mais vous pourrez revoir l'enregistrement qui sera donc très rapidement là sur nos chaînes YouTube et notre page Facebook. Sinon, je voudrais juste vous parler. Alors, remercier Claudia déjà, muito obrigado Claudia. Je vais vous parler des activités dans les jours à venir. Hein. Vou falar rapidamente das atividades que teremos nos próximos dias. Le 4 juin de 14h30 à 17h, donc on aura un mini séminaire sur la place et le rôle de l'orienteur dans le groupe d'aide aux esprits souffrants. Sur les bases du livre Dialogue avec les ombres de Herminio Miranda, qui sera donné par Morissette de Coninck. Et donc, vous pouvez vous inscrire en allant sur notre site internet et en écrivant sur le mail spiritismefrancophone@gmail.com. Donc, ce sera sur Zoom. Et comme c'est limité à 100 personnes, voilà, ben, c'est les 100 premiers qui arrivent qui seront servis. Dimanche 5 juin, donc après-demain, nous aurons le spiritisme sans tabou, hein, comme les premiers dimanches de chaque mois. Donc, vous pouvez vous connecter, poser toutes les questions que vous voulez. Sans tabou, il n'y a pas d'enregistrement, rien, pour que tout le monde se sente à l'aise. Le vendredi 10 juin, nous aurons la suite des conférences sur le monde invisible et la guerre de Léon Denis. Le 17 juin également, et le 24 juin également. Donc, ça nous devrait nous permettre de terminer ce livre qui est vraiment excellent et opportun pour le moment. Et le samedi 26 juin, nous aurons une conférence d'un médecin brésilien qui s'appelle Paulo César Fructuoso, qui va nous parler de la médecine médiumnique du futur. Voilà. Donc, Claudia, só rapidamente, né? Amanhã teremos seminário sobre o doutrinador nas reuniões de ajuda aos espíritos sofredores, né? 5 de junho a gente tem perguntas e respostas, né? Sem tabu. 10, 17 e 24 de junho teremos conferência sobre Léon Denis, O Mundo Invisível e a Guerra. E sábado 26 teremos a Medicina Mediúnica do Futuro do Dr. Paulo César Fructuoso. Et du 9 au 11 septembre, donc nous aurons aussi le 22e symposium pour la francophonie à Végimont à Liège. Les inscriptions sont déjà ouvertes. Le thème central, c'est les valeurs spirites, un chemin vers la paix. Voilà, donc organisé par le mouvement spirite francophone et l'Union spirite belge. Du 9 à 11 et 10 septembre, teremos o simpósio de Végimont, que vous connaissez, porque Ah, já participé. sim. Vai ser de 9 a 11 de setembro. E o tema é ligado ao seu tema de hoje, né? Os valores espíritas, um caminho em direção da paz. Que E as ótimo. inscrições já estão abertas. Voilà. Ben, écoutez, il ne nous reste plus qu'à vous remercier tous, à remercier aussi Claudia. Muito obrigado, Claudia, pela conferência. Muito obrigado a todos pela participação. Obrigada a você, obrigada a todos. E se vocês quiserem dar continuidade a esse sistema de família, a gente pode marcar uma outra e vamos falar sobre os desafios da convivência familiar.
Alors, Claudia, vous remercie à tous aussi pour cette occasion d'être là. Et donc, si on souhaite continuer ces thèmes liés à l'éducation, elle peut développer encore un autre thème, donc les défis de la vie en famille, par exemple. Voilà. Et donc, on ne manquera pas de prendre date avec Claudia, hein, dès que possible, compte tenu de ses multiples occupations, pour vous présenter cette conférence complémentaire. Voilà. Voilà. Merci à tous. Au revoir et à très bientôt. Obrigado, Charles. Fica com Deus. Tchau, um abraço.